Thomas Croisière, avant de conclure le 5-7, je rappelle que vous serez sur scène, vous, du C'est 23 vrai. juin au 30 juillet prochain au Théâtre de l'Œuvre à Paris et qu'il reste encore 12 000 places à vendre. Donc ce que, Mais ça vous fait rire. Ce que vous allez dire à présent devrait finir de convaincre ceux qui s'interrogent encore. « 9 mai 1952. Il y a pile 70 ans, sortez Jeux interdits. Et je ne sais pas vous, mais dès que j'entends ces arpèges de Narciso Yepes, j'ai la chiale. Le titre s'intitule « Romance anonyme », mais moi je l'appelle « Défenestration immédiate ». Vous l'avez l'image à la fin du film, quand la petite Paulette, elle court toute seule en criant « Michel !» Michel! Oh putain, la chialade! Eh ben, vous savez quoi? Ben, j'ai même pas le cœur d'utiliser ce prétexte pour vous passer du Michel, non? Ben. Ah, merci! Ouais, ben, moi, je suis plutôt d'humeur. Léo! Avec le temps! Le seum! Avec le temps, va! Tout s'en va! Va. On oublie le visage! Le oublie! La voix. Oh la vache, la vache. Enfin plutôt rôle à Guenon, puisque c'est après la mort de Pépé, sa Guenon apprivoisée, que Léo Ferré écrivit Avec le temps. Mais t'imagines la quantité de somme accumulée pour finir avec. Et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment, avec le temps, on n'aime plus. C'est là-dessus qu'il concluait ses derniers concerts, en exigeant que son public le laisse quitter la scène dans le silence. Moi, j'ai eu la chance de rater ça, parce que sinon, bah, je pense pas que je serais devant vous ce matin. Celle-là, en revanche, je l'ai entendue plusieurs fois en concert. Oh, ça va? Oh non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Attendez, écoutez ça. Non mais je suis vraiment désolé, Titia, de plomber l'ambiance comme ça, mais non, bon. Non, c'est cool. Vous savez quoi, c'est pas ma journée, moi. Renaud a composé Mistral gagnant parce qu'il avait le seum à Los Angeles, loin de sa femme et de sa fille, Lola. Alors lui aussi s'est mis à écrire sur le temps qui passe, ce temps qui est assassin et emporte avec lui le rire des enfants. C'est gaulerie, hein. Bon, je vais poser un RTT parce que je suis plus en état de bosser, moi. Je vous quitte avec le roi du seum, Leonard Cohen. Non mais ça c'est sa voix le soir. Vous l'imaginez le matin au réveil. Pas bon, pardon, hein, mais c'est quand même autre chose que la reprise géniale de Jeff Buckley. Ils sont plus de 300 à l'avoir chanté, de Dylan à John Cale, en passant par Bon Jovi et Timberlake. Il y a même notre Justin Timberlake, français, qui l'a reprise. Matt Pokora. Alléluia. Ouais, ouais, c'est Matt Pokora. On disrupte. Allez, je pars mourir ailleurs. Adieu. Thomas Croisière est parti, Nicolas Demorand, Léa Salamé. Voilà, c'est dur ce matin. Bon 7-9.